Je m'appelle Sophie Fiacre, je suis née à Douarnenez, dans le Finistère Sud, et j'ai 31 ans. Je suis créatrice de lampes végétales. En fait, j'ai conçu un nouveau produit. C'est une lampe végétale, en fait, dans laquelle on peut faire pousser des végétaux grâce à la lumière qui est adaptée à la pousse des plantes. Alors moi, j'ai la maladie de Verneuil, une maladie de peau qui se traduit par des lésions en fait très douloureuses et qui sont vraiment invalidantes au quotidien. Je suis crêpière de métier à la base. Suite à de nombreux arrêts de travail, en fait, suite à des opérations, je suis passée à la médecine du travail et là, ils m'ont mis inapte à exercer le métier de crêpière. Et c'est là que j'ai créé le prototype de la Lumipousse. Alors le pied de la lampe, il est conçu de cette façon. À la base du pied de la lampe, on a une réserve d'eau qui est accessible à l'arrière de la lampe, par ici. Donc on enlève le bouchon et on peut remplir 50 centilitres d'eau à l'intérieur de la lampe. Et le haut du pot, c'est lui qui accueille la terre avec les plantes, et c'est du feutre géotextile qui communique avec les deux contenants, et c'est lui qui assure la capillarité. Et ici en façade, on a une ouverture en fait pour la sortie de la plante. Parce que dans la Lumipousse, la plante peut sortir en façade du pot et aussi par le dessus. En fait, elle est vraiment là, l'invention. Elle est dans le pied de lampe, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai conçu un pot de culture pour végétaux avec un système d'éclairage incorporé. Depuis la création de l'entreprise, j'ai eu 8 prix pour l'invention du pied de lampe, dont la médaille d'or du concours Lépine. Donc la GFIP m'a aidée financièrement et l'aide financière m'a permis, en fait, de créer l'outillage, le moule, en fait, pour pouvoir produire les pièces en série. Et bien aujourd'hui, Lumipousse, c'est moi. J'ai sélectionné 10 variétés de plantes. C'est des plantes aux vertus dépolluantes et il y a aussi des plantes normales. On peut aussi mettre des plantes aromatiques comme le basilic, la menthe. On peut aussi s'en servir comme vase pour mettre des fleurs. Alors l'ambition aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant de Lumipousse qu'il y a d'intérieur, quoi. Avoir plusieurs modèles, toute une gamme en fait de produits. Ça peut être des appliques murales, ça peut être des grandes lampes pour les halls d'accueil, pour les hôtels. Pour moi, c'est vraiment une phrase que je dis souvent en fait, c'est on a la vie qu'on se donne.